en tant que chrétien, ça rappelle la mort du Christ. Ça rappelle à tout chrétien que nous allons mourir et que nous avons d'autres vies au niveau de l'au-delà. La Pâque s'est célébrée au Cameroun sous fond de la tradition. Les fidèles chrétiens catholiques romains de Yaoundé ont dansé les sani, un rythme de la grande communauté Ekan, réservé aux personnes qui ont marqué leur passage sur la terre par leurs actes. C'était dans la joie. Ça nous donne de la joie au cœur, ça nous fait être membres à part entière de la famille de Jésus. Nous venons manifester notre amour pour celui qui nous a aimés le premier et nous venons l'accompagner à sa dernière demeure, même si on sait qu'il est toujours et toujours vivant. Moi, je participe à la scène de Jésus pour commémorer tout ce que Jésus-Christ a pu subir en acceptant de venir me sauver. Cela me donne un baume au cœur pour essayer de lui manifester ma reconnaissance pour ce qu'il a pu faire pour moi. Au sein de cette religion, les sani a tout un symbole. Les sani, c'est un rite inculturé qui nous fait affirmer ce que l'Église enseigne, que nous ne célébrons pas la mort. Jésus-Christ est mort, c'est vrai, mais sa vie ne s'arrête pas à la mort. Par sa mort, nous avons obtenu la vie. Voilà pourquoi nous lisons les sani le vendredi. Ne joue pas à ce rythme qui veut, mais qui peut. Il faut être initié. Moi, je ne joue pas le sani parce qu'il faut le jouer. J'entre dans une autre dimension pour le jouer. Parce que le sani, en réalité, c'est un rite. Quant à ce rite-là, il faut élever l'esprit. Parce que là, nous invoquons des esprits déjà partis à venir chercher celui-là qui est couché. Chaque année, cette tradition est répétée dans toutes les paroisses dans le pays. Pourtant, le sani n'est évoqué dans aucune partie de la Bible. C'est vrai, le sani n'est pas dans la Bible. Mais nous savons aussi que Jésus appartenait à une ethnie. On dit souvent dans la Bible que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est juste venu la parfaire. Donc c'est pour ça que nous revenons à nos cultures camerounaises pour transformer la passion et la mort de Jésus en sani. Ce n'est pas la foi qui s'adapte à la culture, c'est plutôt la culture qui se laisse éclairer par la foi. Et donc, ce n'est pas une adaptation en tant que telle, mais c'est un éclairage qui est fait à notre culture, à nos cultures, pour que nous puissions retenir de nos cultures ce qui cadre avec la foi. Pâques est la plus grande fête chrétienne. Au-delà de la prière, des réjouissances sont programmées en famille et entre amis.